depuis assez jeune, oui, j'avais un intérêt. J'ai toujours un intérêt pour la forêt, pour l'environnement. Quand je me retrouve dans le bois, c'est toujours plaisant, c'est toujours relaxant. Pour Hydro-Québec, je suis chargé de projet en environnement, donc je réalise les évaluations environnementales des projets de lignes de transport. Et aussi, à titre d'ingénieur forestier, je m'occupe de la planification des travaux de déboisement des emprises de lignes de transport. Donc, moi, ce qui m'a intéressé tout de suite dans le métier d'ingénieur forestier, c'est la possibilité d'avoir en même temps un domaine qui est scientifique, un domaine d'ingénierie, mais en même temps, c'est de l'ingénierie qui s'intéresse à un milieu naturel, donc à la forêt, à l'environnement. Je peux faire la différence dans le cadre d'un projet. Donc, je sens que je peux avoir un impact, moi, sur des décisions qui sont prises pour améliorer les projets, pour s'assurer qu'on a un projet qui est le plus respectueux de l'environnement, qu'on va protéger l'environnement puis les différents éléments sensibles qu'on retrouve là, sur le territoire. On a un contact avec beaucoup de gens. On a un contact avec la nature, que si vous avez un intérêt pour la nature, pour la forêt, le métier d'ingénieur forestier, ça va vous rejoindre. Je ne changerai pas de travail, vraiment. C'est un travail intéressant, c'est très stimulant, c'est très, très varié comme travail. On a beaucoup d'autonomie dans notre travail aussi. On a la chance de voyager partout au Québec. On travaille sur des projets d'envergure avec des difficultés techniques différentes d'un projet à l'autre. Donc non, je ne changerai pas de travail.